bonjour. Et oui, il y a le micro, c'est merveilleux. Merci Sebiscariot, merci Argel, merci Another Mr. Green, merci Mr. Rick. Merci, c'est tout. Merci, ben merci à vous. Ici c'est Boomer Shooterland, pas du tout. Pas du tout, c'est pas du tout Boomer Shooterland. Parce qu'aujourd'hui, on va jouer, et donc je vous avais dit qu'il y aurait un stream exceptionnel pour cette rentrée. Et ce stream exceptionnel, c'est ni plus ni moins que alors ça s'appelle comment ? The Quest for Excalibur, puis du fou. Alors, on va commencer par faire un petit tour sur la page Steam. Je pense que ça pourrait être pas mal, parce que il faut... Alors, attendez, je vais faire... hop, on va regarder ça. Hop là, on va regarder ça. On va laisser voir sur la page Steam, parce qu'il faut essayer de comprendre ce que c'est que ce truc. Donc, voilà. Donc, capture application, ça c'est bon. Donc, The Quest for Excalibur, puis du fou. Pourquoi ? Alors déjà, pourquoi ? Après, d'abord, il va falloir que je dénonce, parce qu'il y a un responsable de tout ça. C'est organisé sur Steam, tiens. Voilà, donc c'est le raid quantique. Raid de chez Oni, salut Oni, salut les raiders. Donc c'est un jeu qui a été développé par Balio Studio pour Microids, évidemment pour Microids. Alors Balio Studio, qu'est-ce qu'ils ont fait ? C'est eux qui ont fait le Fort Boyard, l'extraordinaire Fort Boyard, que je vous encourage. Vraiment, on sent que c'est vraiment dans toutes les grandes traditions culturelles françaises. Donc, le Puy du Fou, Titeuf, méga party, Fort Boyard, évidemment. Mais aussi des trucs plus internationaux, comme Qui veut gagner des millions, comme Garfield, Lasagna Party, qui a d'ailleurs des évaluations très positives sur Steam, ce qui m'a énormément fasciné. Je ne comprends pas, mais donc, sachez que Garfield, Lasagna Party, a eu de très, très bonnes critiques. Oui, alors, je montre mon intérieur Crazy Warthog. Parce que maintenant, j'ai deux setups. Un pour les jeux, pour pas que ça surcharge le CPU. Donc, j'ai plus le détourage. Parce qu'un jeu qui est aussi violent en termes de performance graphique, vous allez le voir, que The Quest for Excalibur, puis du fou, c'est un... Ça demande forcément de mettre tout le GPU sur le pont, quoi. Les principes de production de Microids... Oui, Microids me fascine. Microids, c'est quelque chose qui... C'est absolument incroyable. C'est un peu comme ces éditeurs qui publient à la chaîne des trucs absolument ineptes, mais dont on sait qu'ils vont se vendre. C'est un peu les éditions XO du jeu vidéo, Microids. Et donc voilà, donc, alors, je ne sais pas trop, en fait, pour Puy du Fou, la quête d'Excalibur, c'est dans quelle mesure c'est un jeu qui a été... c'est un truc Quest for Excalibur tout court, qui a été rebrandé Puy du Fou pour le marché français. Ou dans quelle mesure c'est un truc qui a vraiment été développé par Philippe de Villiers et compagnie. Je ne sais pas. C'est un grand mystère pour moi. Alors, d'ailleurs, Warthog, tu es un peu au courant de la genèse de ce stream, parce que tu étais présent. Parce que, en fait, je peux balancer, c'est Fab Gordon de Nanarland qui m'a fait découvrir ce jeu et qui m'a dit... Enfin, qui m'a même pas dit tu devrais le streamer, il m'a juste montré que ce truc existait, parce que forcément, il s'intéresse au nanar, donc aussi au nanar vidéoludique. Et on s'est dit que ça pourrait, enfin, je me suis dit que ça pourrait être cool de le streamer. Ce que je vais maintenant faire, sachant que je n'ai pas lancé le jeu, enfin, je l'ai lancé juste vite fait voir s'il marchait, parce qu'avec ce genre de produit, on a parfois des surprises. Le jeu démarre, je n'en sais pas plus. Donc, on va le découvrir ensemble. Non, c'est pas ça que je vais lancer. Je vais faire un petit réglage, config, capture, tac, 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 capture moniteur. Et on va lancer le jeu. Je pense que... Nanar PC, exactement. Merci Sélinus pour ton abo. Je pense que ça va être très bien. J'ai juste une petite inquiétude, je ne vous le cache pas, sur le fait qu'on puisse y jouer sans pad. Parce que je pense que c'est en général, c'est le genre de jeu qui a été pensé pour être joué au pad et les bind claviers sont merdiques. Mais on va essayer. Puis, de toute façon, il y a 13 épreuves. On va voir combien d'épreuves j'arrive à battre en espace d'une heure. Ah bah super. Et en plus, le son ne sort pas sur les bons trucs, donc on est bien parti. Si vous avez le son, mais vous l'avez trop fort. Et moi, je ne l'ai pas dans mes yéyettes, donc ça ne va pas du tout. Hop. Je vais relancer le jeu. Voilà. Alors, il faut savoir aussi que j'ai un nouveau clavier pour ajouter la difficulté à la difficulté. La page Wikipédia qui n'existe qu'en français, ni KSMPAC, tend à dire que c'est un jeu Puy du Fou d'abord et avant tout, et non pas un rebranding. Ok. Mais écoutez, donc ça va être une véritable aventure au cœur de la Vendée et de l'extrême droite. Que nous allons vivre aujourd'hui. Je pense que ça va être mieux que Baldur's Gate 3. Je pense que c'est un jeu qui est passé sous les radars et que c'est typiquement le jeu qui aurait pu écraser Baldur's Gate, mais on sait comment c'est. Hein. On sait comment ça se passe avec les gros studios type Larian. Hein.
petit bac chiche et compagnie. Alors, il y a un entraînement. Oula, l'effet quand on passe sur le curseur, regardez. On dirait que le menu est nerveux. On passe le curseur dessus et ça fait... C'est très très bizarre. Bref. Le perso principal, non, Arène Cuny, on ne va pas sur ce terrain-là. Donc, même si on a forcément de Villiers incite à faire des blagues, mais non. Alors, aventure. Nouvelle partie. Vis seul l'aventure. Ça aurait été super drôle qu'il y ait l'écriture inclusive avec des points médians dans un jeu de Villiers. On va jouer en solo, hein, parce que qui vous doit être la seule personne sur Terre à jouer à ça. Non, non, en fait, non, parce que quand j'ai fait la catégorie dans Twitch, il y avait 40 personnes qui suivaient ce jeu. C'est-à-dire qu'il y a sur cette Terre, je pense que c'est l'équipe de développement, hein, 40 personnes qui ont un warning, une petite cloche qui fait tling quand quelqu'un stream ce jeu sur Twitch. Ah, l'effet de feu. Ah, ça, c'est les particules de nos grands-mères. Hein. En même temps, pour un jeu Philippe de Villiers, c'est normal qu'ils aient fait de particules. Arthur retira l'épée du rocher. Alors. Car il était le roi choisi par la Providence. L'épée. Celui fait Gordon. Ah, bah voilà. Voilà le coupable de ce que nous sommes en train de faire. Lancelot, le responsable. Je suis le coupable. Jalousie et l'envie, tandis qu'Arthur se laissait gagner par la vanité. Les deux frères s'affrontèrent alors dans un combat singulier, confiant au sort de décider qui devait être le vrai roi. C'est 40 n'avait pas été forgé. 40 Vendéens qui regardent Twitch. La vanité et l'envie qui ne sont pas de chevalerie. L'épée se brisa en 15 morceaux. Ah bah 15 morceaux, 15 niveaux, hein. Tout a été pensé. Hein. Que la garde. Arthur, oh Arthur, t'as vu la couronne ne tombe Morgane, pas. Morgane, la fée des esprits mauvais, lui apparut alors. Et lui proposa un le mec à quatre pattes avec le casque, je trouve ça drôle, je sais pourquoi. Brisé dans les eaux troubles et rejoindre la barque d'Avalon, oh. Morgane lui promit en échange l'immortalité. Ah, elle fait partie du home, oui, c'est vrai. Désespéré, Arthur tomba dans le piège. Alibaba, les 40 Vendéens, ça ferait un très très bon crossover. Quand il comprit son malheur, il était trop tard. Ah, elle est floue, les dames. Mais il me confia à moi, Merlin l'Enchanteur, la quête de celui qui pourrait le sauver de ce tourment sans fin. Voilà des siècles que Morgane garde le jeune roi des J'ai payé ça 5 euros, hein, de mes propres deniers. Hein. Je veux que mon sacrifice soit salué. Monde des vivants. Il faudra un chevalier de grand courage et de haute vertu pour... Eh oui, monsieur Patacrêpe, en fait, on va révéler l'identité du gouvernement dans ce jeu. Ce serait super, un jeu dissolution the game, avec pareil 15 niveaux, et à chaque fin de chaque niveau, tu récupères, au lieu de sauver la princesse dans un nouveau château, tu obtiens un membre du gouvernement. Et tu fais des niveaux thématiques. Donc le ministre des Transports, tu dois sauter sur des trains, etc. Il y a tellement de gameplay à exploiter. Ah. Alors, genre. Et franchement, genre, et pas sexe. Hein. Franchement, c'est très... Ah. Très progressiste pour un... Pourquoi ça a fait ça? Sur quelle touche j'ai appuyé? Ah d'accord. Le bruit est ultra agressif. Ça m'éclate. Par contre, alors donc je peux bouger les menus. Est-ce que je peux choisir le... Ça marche pas quand on clique. Donc le bouton droit renvoie au tout premier menu. Je le sens... Là, solo. S, passé. Je savais qu'il m'aurait fallu un pad. Je savais qu'il m'aurait fallu un pad. Je joue dans le parc. Oui, je joue dans le parc. Pourquoi on peut pas choisir le... Attends, sélectionner, entrer. Mais j'ai rien sélectionné du tout. Je peux pas choisir. En fait, tu peux choisir ton genre, mais t'es obligé d'être un mec. Attends, non, je vais revenir à l'arrière. Ah, si, voilà. Alors. Alors, ils font tous les deux très peur, mais la fille fait beaucoup trop peur. Je vais prendre le mec. Couleur de peau. Ah, parce que c'est très inclusif, le plus du fou. Hein. Hop. Pourquoi ça fait ces bruits bizarres? Attends, on va faire le personnage le plus bizarre possible. On va lui mettre une peau très mate et des cheveux extrêmement... Eh hey, mais attends, on peut faire un mec avec des cheveux de femme. Mais c'est vachement... En fait, c'est super inclusif, comme je sais. On est limite dans Saints Row, quoi. Couleur des cheveux, ben bleu. Mais trop bien. Et couleur des... Ça, c'est le jeu Puy du Fou. Hein. Je rappelle qu'on joue au jeu Puy du Fou. Qui est totalement queer. Alors, la tenue. À la tenue, par contre, on reste quand même dans le 16e arrondissement. Ah, pas trop. Pas trop, pas trop. On va prendre... Ouais, allez, on prend ça. On peut choisir la couleur des tenues? Non, tant pis. Ce serait plus réaliste si le personnage avait plus de 70 ans. Apparemment, il y a pas mal d'enfants au Puy du Fou, parce que les gens, ils vont en famille.
Alors, désormais, il n'y a pas de majuscule. Putain, bravo le respect de la langue française, Philippe. J'appelle Philippe de Villiers, Philippe. Une longue histoire. Tu peux explorer le parc du Puy du Fou, pas de majuscule non plus, sans restriction. La flèche GPS, déjà, ça devrait être Galiléo, parce que GPS, c'est pas trop, trop français, qui se trouve au-dessus de toi, te permet de trouver l'épreuve la plus proche de ta position. En fait, le parc sert de hub, apparemment. Une fois que tu auras terminé les trois épreuves disponibles, trois nouvelles épreuves se débloqueront automatiquement. Ouais, blablabla, c'est un Metroidvania, quoi. C'est ce que tu réunis tous les fragments nécessaires à ta quête. Tu as la possibilité de courir pour te dépasser plus rapidement, donc rends-toi dès maintenant à la prochaine épreuve, afin de libérer Arthur au plus vite. Ah, faut garder appuyé, d'accord. Ok, donc comment on bouge la caméra? C'est la souris? Non. Ah d'accord, c'est automatique. Donc c'est les flèches du clavier pour bouger. Ok, on rentre au puits. Alors, est-ce que je peux partir du Puy du Fou? Ah mais attends, on peut pas faire... Ah si, on peut tourner quand même. On peut pas sortir du Puy du Fou. Hein. Et comment on court? Shift, c'est pas courir? Contrôle non plus? Espace, non, ok. Il y a un mur invisible. On ne sort pas du Puy du Fou. Hein. Oui, c'est un Galiléo, c'est européen. T'as raison, ça sera encore pire pour deviner. Merci, Papy Poulet. Un futur quarantenaire. Bon, c'est vachement bien d'avoir 40 ans. J'avais compris les gens qui appréhendaient de vieillir. C'est de mieux en mieux qu'on vit. Bon, sauf qu'on commence à partir en morceaux, mais je ne suis pas encore là, donc. Franchement. C'est au Puy du Fou. Les gens, je sais pas ce qu'ils font, ils sont là, ils regardent tous autour d'eux. En fait, il y a un sort. Ils ont tous été drogués. Et là, pendant ce temps, t'as un enfant très étrange avec les cheveux bleus qui court après une sorte d'hallucination. Ah, d'accord, ça démarre comme ça, ok. Alors, Puy du Fou. Oh, là. Oh, oh. C'est Merlin. Tu serais celui qu'on attend. Tes parents te font... Direct une arène, et là c'est le Doom. Car ils te laissent aller à ta guise. Dans bah non, faut avoir peur de culpabiliser de jouer des shooters à 40 ans. Faut juste prendre des shooters plus lents. Des cutscenes Puy du Fou, mais oui. Vois-tu, j'ai rencontré toutes sortes de personnes au cours de ma longue vie. La tête de l'héroïne. Enfin, du héros, pardon. C'est vrai que c'est un mec. Par la providence pour sauver le roi Arthur. On peut pas choisir son pronom, mais après c'est un jeu Puy du Fou, donc faut pas non plus trop en demander. Déjà, on peut faire un mec avec des cheveux de meuf, c'est pas mal. Ces siècles pour rien. Le voilà enfin celui qui va libérer notre jeune roi de l'éternel tombe. Ah, le fast FPS au tour par tour, ça existe, c'est le jeu de John Wick là. Je suis Merlin l'Enchanteur. Suis-moi, jeune chevalier. Merci Guichon. Je connais un... On réécrit l'histoire, Coctopus. Ce moyen, ouais, est un haut lieu qui offre de voyager dans le temps et de... Mais son bras est cassé. Regardez comment il y a son bras. La colline du être. En latin, le podium fagi, aujourd'hui appelé le puits du fou. Oh. Entre en ce lieu, dirige tes pas vers le stadium gallo-romain et tu trouveras un passage vers un autre temps. Le premier fragment que tu trouveras permettra l'ouverture de nouveaux passages. Alors, le parc du Puy du Fou regorge de secrets et il te faudra l'explorer de fond en comble si tu souhaites avancer dans ta quête. Afin de t'aider, des portails ont été placés aux quatre coins du parc pour que tu puisses te déplacer plus rapidement. Emprunte le portail près de l'entrée afin de te rendre au stadium gallo-romain et ainsi démarrer la quête d'Excalibur dans le but de libérer le roi Arthur. Regardez la façon dont il se remplit le bouton confirmé, regardez bien. Et c'est tout cassé. Alors, allons-y. Alors, il faut savoir que la caméra suit le mouvement du personnage, mais avec un léger lag. Oui, là, hop, je vais... Non, si, c'est... Ah, là, c'est bon, c'est ça. Découvre les secrets du génocide chouan, ouais. Alors, allez, tourne là. Ah, mais c'est ça, ça, c'est le portail. Et franchement, il laisse traîner des trucs comme ça dans le parc. Ah, mais arrête! Oh, putain, la caméra est infernale. Et donc, on fait celui-là. Allez, on fait celui-là. Là, c'est quoi? C'est les toilettes? Eh, il y a des lumières bizarres dans les toilettes. Ah non, c'est un mur invisible. C'est quand même vicieux de mettre un mur invisible juste devant les toilettes. Hein. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-dessus? C'est les gens qui sont morts dans les attractions? Guide du jour, servez-vous. Ah! Ah oui, mais en fait, on n'a pas le choix. Et le mur invisible, il est super près. Hein. On peut faire... Ils avaient dit qu'on avait droit à trois épreuves au choix avant d'avoir les trois suivantes. En fait, que dalle. Hein. On a... Oh. Ah, c'est pas comme dans GTA, hein. Les gens, ils s'arrêtent, c'est des blocs de pierre. Hein. Ils réagissent pas quand on les bouscule. Hein. Donc,
Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je confirme. Oh! Alors, attends, ça, c'est le plan du puits. Je sélectionne, attends, avec quoi? Entrée, non, ça... Bon, bon, on va faire ça, hein. Je comprends rien, l'interface, elle est tellement bizarre. Une oreille octogone qui a pour avoir consommé une boisson à 17€, papy poulet, ouais. C'est le même mur invisible que celui du parc, ouais. Ils ont utilisé la même technologie à base de nanométaux. Même les visiteurs sont des figurants de la France de Devilliers, mais c'est vrai, hein. Mais ça ressemble vraiment... Il y a des gens qui sont allés au Puy du Fou dans le chat. Ça ressemble à ça. Parce que ça a l'air chiant, hein. C'est tout vide. Attends, mais je comprends pas. La flèche me dit un truc, la boule de feu m'en dit une autre. C'est comme vous verrez demain Denis Delis faire du vélo avec moi, entre autres. Et on est arrivé à un moment vers un feu rouge sur les Maréchaux, quand on arrivait depuis Vincennes. Et en fait, pour traverser, il y a trois feux différents, deux rouges, et ils sont jamais d'accord. Il y en a un qui est vert, l'autre est rouge, etc. Donc on savait pas quand passer. On se dit qu'on est passé, qu'il y aurait une majorité de verts. Et c'est passé, mais c'est très étrange. Ah, voilà, c'est ça ce qu'il disait, c'est le Colosseum gallo-romain. Là. C'est un parc, c'est vrai que les visiteurs discutent plutôt que visiter, ouais. C'est-à-dire si ça, ça a l'air passionnant, les attractions. Aha. Confirme, je confirme. Je sais pas ce que je confirme, mais je le confirme. C'est le logo du Puy du Fou, là, les espèces de trucs avec trois losanges. Remporte la course en étant premier à la fin du dernier tour. Ah, c'est une course de char. Donc, s'il y a des amateurs de moteur physique dans le chat, je pense qu'ils vont être heureux. Utilise les flèches pour te déplacer. Appuie sur Q pour accélérer. Appuie sans cesse sur S, ah ça c'est du bon gameplay ça, le button mash, afin de regagner de l'endurance. J'ai un tout nouveau clavier, je vais le casser. C'est pas malheureux. Oh. Franchement, t'arrives au milieu de Rome avec cette tête-là, déjà t'es immédiatement exécuté ou balancé au lion. Tu peux pas continuer à te battre dans cet état, Damien. La dernière épreuve t'a blessé sévèrement. Si j'abandonne le combat, vous serez exécuté. Je ne peux pas me résoudre à vous laisser mourir pour le seul plaisir du gouvernement. Mais attendez, le roi Arthur, ça se passe circa 12e siècle. Pourquoi on est à Rome là? C'est complètement absurde. Bah, je dois avouer que j'ai pas suivi en fait. Je dois vous l'avouer. C'est... Meneur de char à quatre chevaux, ou bien un prisonnier. Oui, c'est vrai qu'il y a des problèmes de bras dans cet univers. Hein. Mais, ah non, je crois que les chevaux avaient des ailes, ce qui aurait été intéressant. Alors attention. 3, 2, 1, c'est parti. Oh. Ah merde, faut que j'appuie sur S pour gagner de l'endurance. Mais c'est complètement con. Ah mais elle a fond de l'endurance, d'accord. Mais qu'est-ce qui fait qu'elle descend? Oh putain, ça dérape à fond. Oh. C'est comme dans Bénure, mais avec des bruits de plastique quand on rentre dans les trucs. Ah d'accord, ok, bon, je comprends pas ce que je fais, mais je suis quatrième, c'est nul à chier. Je peux pas gagner derrière moi en plus. Ah si, d'accord, attends, je suis qui? Ah oui, je suis complètement derrière moi. Mais pourquoi ça accélère pas? Il peut aller plus vite que ça? On m'a donné des poneys, quoi. Attends, un sprinter, c'est Q. Ah bah voilà. Ah bah forcément. Ah oui, tu peux mettre de l'endurance. Ah ouais, franchement. Et dire qu'il y a des gens qui jouent à Baldur's Gate, quoi. Ah et attention, il y a des trucs sur le parcours. Le problème, c'est que là, j'ai perdu tellement de... J'ai pris tellement de retard au premier tour. Vite, vite, charge, charge, charge. Ah bon, on se croirait dans Bénure, quoi. Bon, on s'est paumé, hein, mais... Ouais, c'est bon, je crois que j'ai compris le truc. Dans les lignes droites, tu charges... Et après, tu charges l'endurance comme une bête. Allez, hop. Ah, ça va le faire. Bon, là, je vais perdre parce que j'ai pas... Tiens, regarde ça. Bam. Et alors? Non, merde. Oh, oh là, ce gameplay... Eh, hey, franchement... Alors, c'est pourri, mais c'est moins pourri que ce que j'imaginais. Ah bah tiens, regardez cette remontada. Et hop. Wow. Pro gamer, la gestion des collisions est incroyable, regardez ça. Bon, c'est un jeu qui est destiné aux enfants. Donc, c'est un peu comme être fier d'avoir fini de lire un Choupi d'une fois en une fois, tu vois.
tu as réussi cette première épreuve, oui. Car tu as fait preuve de courage et d'habileté. Ah, alors, Fort Boyard a un avantage sur celui-là, c'est que Fort Boyard, c'est un party game. Voilà, tu peux jouer à plusieurs apparemment aussi, mais je suis moins pensé pour. Mais Fort Boyard tout seul, c'est chiant comme la pluie. Par contre, si vous le trouvez à 5 euros et que vous avez quelques potes et 3 bières, vous pouvez vous passer une soirée, vous allez avoir mal aux abdos tellement vous allez rigoler. Hein. C'est hilarant, Fort Boyard, parce que le jeu est pété, mais il y a le côté rigolo d'avoir un Pierre Fourat, biscornu, qui fait des énigmes pétées avec ses potes, c'est très très drôle. Nous, on avait fait un stream avec Julie et Manu il y a longtemps déjà. C'était... Oh, qu'est-ce qu'on avait rigolé. Oh, et qu'est-ce que mon personnage fait peur. Alors, mon épreuve. J'ai pas du tout suivi. Quelqu'un a écouté ce qu'a dit... C'est 5e siècle. Ouais, bah c'est quand même après la chute de Rome. Alors. C'est si vieux que ça, Arthur. Moi, c'était vachement plus récent. Réalisation affichée. Amener ton dracar jusqu'au village. Attention. L'action n'est pas réalisée sur les chefs vikings, ne pointe pas ton côté. Ouh là là, alors attends. Ok. Appuie sur les boutons affichés, ouais, c'est un QTE quoi, afin de faire avancer ton dracar. Mais uniquement quand le chef viking regarde. Ah! Les QTE, ça peut être bien, Moeva. Un jour, j'écrirai un article pour vous dire que les QTE, ça peut être extrêmement bien en matière de jeux vidéo. La plupart du temps, c'est à chier. F. Non, merde, attends. Ah, mais il faut charger. J'ai pas compris. Ah, mais il faut button mâcher, en fait. Ah, d'accord, là, faut button mâcher. D. Ok, d'accord. Complètement. Ah, je préfère la course de char. Hein. Attends, pourquoi rater? Pourquoi rater? Ah non, d'accord, il pointe pas de mon côté. Donc là... Ah non, là, il pointe de l'autre côté, ok, c'est, j'ai compris. Ça y est, j'ai compris, enfin. Donc là, pas nous. Oh là là. Bon, ça, par exemple, c'est pas un bon exemple de QTE réussi. La petite subtilité de faut pas le faire quand Jacques a dit, là, c'est un peu... C'est le seul intérêt du truc, mais... Et bon, bah, j'ai pas compris. C'était pas très dur. Hein. Oui, ça, le côté Jacques a dit, c'est pas mal, la pâte à crêpes. Sinon, ça aurait aucun intérêt. Bon, là, ça a été mal fait, mais il y a un semblant d'idée de gameplay. Ok, donc ça c'est quoi? C'est... récupérer un nouveau fragment qui nous sera utile dans notre quête. Cette aventure n'est pas terminée, mais je savais bien que je pouvais compter sur toi. Ah bah attends, ouais. Toujours dispo pour Merlin, moi. Alors, histoire. Pom 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 pom. Mais on peut pas aller là, il y a de l'eau. Là, c'est le drakkar. Ah oui, il faut faire le tour. Ouais, faut repartir dans l'autre sens, c'est ça. Voilà, c'est... on s'y croirait, hein. Ça, c'est la magie de la photogrammétrie. Alors regardez, il y a des traces de pas dans le gravier. Oui, je laisse des traces de pas. C'est une technologie. Et si je marche là-dessus, ça va laisser... Non, pas aussi, bon, bref. Non, le débardeur, c'est un choix. C'est comme le look général du personnage, tout est un choix. Je pense que, en plus, c'est des gens qui sont complètement irresponsables dans ce parc, parce que tu vois un enfant tout seul qui court d'un bout du parc à l'autre, sans être accompagné de ses parents, surtout un enfant qui a cet aspect, tu dis qu'il y a un truc qui va pas, quoi. Tu demandes quelqu'un, faudrait qu'un personnel l'arrête pour lui demander ce qu'il fait, est-ce que ses parents sont dans le parc. Ils ont mis, oui, c'est vrai que la minimap est magnifique. Pas magnifique. Excuse-moi, je me suis emporté. La minimap est moins laide que le reste. Oui, et puis c'est vrai qu'il y a une espèce de flamme qui traverse les gens, d'ailleurs. C'est très drôle s'ils prenaient feu quand la flamme les touche. Merci, Lohan. Oh, je vais probablement me battre contre d'autres types en armure, Fred Gondoy. Ça, c'est pas le puits du fou s'il n'y a pas des mecs qui se mettent sur les gueules à coups de masse. C'est vrai que c'est propre comme parc, hein. Ouais. Après, le parc Astérix, le dernier parc d'attraction où je suis allé, ça va être Disneyland, et ça remonte à il y a un siècle. Et ça m'avait marqué, c'était extrêmement propre.
T'as pas envie d'un parc d'attraction? Ah, qu'est-ce qui est écrit là? Grâce à James Cook qui avait découvert des terres nouvelles, l'Angleterre était devenue la maîtresse des océans. Mais c'est vraiment une attraction niveau zéro, quoi. T'avances et il y a des panneaux écrits au mur, quoi. C'est comme un musée, en fait. C'est pas du tout un parc d'attraction. Oh là là. La boussole. J'espère que vous êtes prêts pour la boussole. Tu as bien œuvré au milieu de ces brutes vikings. Ah oui, si tu connais des bons parcs crates dans ma région, ça m'intéresse, réponse totale. Avec ce fragment que tu as retrouvé, nous allons pouvoir ouvrir de nouveaux passages. C'est vrai qu'il n'y a pas de poubelle. Les marins ne sont pas des rustres. J'en ai connu qui furent infiniment plus civilisés, de véritables gentilshommes. Je vais te présenter l'un des plus éminents marins que la France ait offert au monde. Ah oui, bah oui. Le commandant Cousteau. Voilà un visage de... Oui, en plus, tu nous dis, raconte de la connerie. Hein. Même si je ne suis pas certain de le connaître vraiment. Monsieur de la Pérouse. Ah, c'est de la Pérouse, j'aurais pas reconnu. De vos pérégrinations maritimes aux confins du monde. Cela n'a pas d'importance. Mais je crois lire dans vos yeux que vous êtes bien préoccupé. Mais je vois absolument pas le rapport avec le roi Arthur en toutes ces histoires, quoi. Aucun rapport. Correspondance que je destinais au roi en personne. Sans cette correspondance, toutes mes lettres, rien ne sert de poursuivre mon voyage, car je dois au roi mon rapport. Vos précieux récits. Moi, j'aime bien sa barbe en plastique à Merlin. Vous y aviez compté et décrit tant de découvertes. Je sais combien nous avons à faire, mais on ne peut laisser l'éminent monsieur de la Pérouse dans un tel embarras. Oh, il fait nom de la tête. Aidons-le à retrouver au moins l'un de ses carnets de voyage. Oui, je vois rien de rapport avec rien. Oui, ce cartilage, c'est très étrange, ce jeu. Merci beaucoup, Macabre, et merci, MX360, de soutenir l'œuvre civilisatrice du Puy du Fou. Alors, ah mais c'est tout, c'était pas l'épreuve ça, c'était juste un blabla. Faut partir dans l'autre sens. Alors, on m'avait vendu une épreuve. Bah non, la flèche elle dit. La flèche elle ment. Merci Oshira. Oshiria, prochaine quête en Thomas Pesquet. Mais je sais pas où ça va s'arrêter, en fait, dans l'histoire de France. C'est vrai qu'il y a un petit côté Hogwarts Legacy. Hein. Ah, les traces de pas. Le fait de Bloom, là, sur les baskets, en blanche mais immaculée, ça me rappelle le Bloom de Oblivion. Ou les armures blanches, pareil, t'avais l'impression qu'il y avait un spot braqué dessus. Attends, dans la réalité, Fred Gond, le gamin, il est en train de récupérer les fragments du roi Arthur, enfin de l'épée du roi Arthur, quand même, quoi. C'est vrai que les gens sont tous à l'arrêt. On est la seule personne à se déplacer dans ce parc. C'est quand même très bizarre, hein. Bon, après, les collisions doivent être plus faciles à faire comme ça. Merci Granit. T'as la tête du perso à gauche là. On dirait qu'il est complètement défoncé quoi. Mais après il court après une boule de feu dans un parc d'attractions. Mais ah c'est quoi ça? Il y a un truc par terre. Ça c'est un collectible. Oh il y a même une animation. Oh. Quelle nouvelle fort heureuse! J'ai consigné dans ce carnet tant de nos aventures. Ah mais il nous a renvoyé à la boussole? Il eût été fâcheux que le roi soit privé de ses fabuleuses découvertes sur les hommes et sur la nature. Vous avez rendu un grand service au royaume, cher ami. C'est une bonne action que nous avons menée là. En aidant monsieur de la Pérouse, sais-tu que nous avons apporté notre concours au progrès et au rayonnement des sciences humaines et naturelles? Mais franchement, t'es un gamin qui joue à ça, il ne comprend rien, quoi. Déjà que c'est borderline, t'as même pas une mise en contexte de qui est la Pérouse, ni rien. C'est incompréhensible. Déjà que c'est pas très compréhensible, quoi. Mais pour un gamin, ça n'a aucun sens. J'espère que le parc est mieux fait d'un point de vue didactique. J'espère que les mensonges véhiculés par le parc sont mieux structurés, quoi. Parce que c'est... Là, on ne comprend rien, quoi. Là, c'est pas tout de réécrire l'histoire, mais il faut la réécrire dans l'ordre, quoi. Oula, il y a de plus en plus de monde, là. Oula, ça va être l'attraction reine, là. Ah, il y a une baraque à frites. Attends, on va voir si on peut acheter un truc à manger. Les granités, ok. Ah,
Voilà, bienvenue au Puy du Fou. Ah, il y avait des gens qui marchaient. Ah, pardon. Oui, ça bouge, là. On va tester les collisions. Mais il marche bizarrement. Hein. C'est marrant parce que l'animation du perso, est bon, elle est tolérable. Et quand il s'est baissé pour ramasser et tout, ça marchait. Mais eux, regardez, ils marchent comme des personnages de dessin animé. On peut les bloquer. Ah, ils nous poussent, regardez. C'est super, avec la musique. On dirait un film d'horreur. Rien n'arrêtera la marche des spectateurs du Puy du Fou. Attends, je vais regarder leur visage. Ok, ils vont est-ce qu'ils vont rentrer en collision avec les gens devant, là? Ah non, ils les évitent, quand même. Ah, il doit y avoir une suite de points, en fait. Ils doivent suivre un chemin précalculé. Enfin, précalculé, prédéfini. Ça aurait été marrant qu'ils soient bloqués par les gens devant. Voilà une vraie question. Est-ce qu'une force impossible à arrêter peut être arrêtée par un objet inamovible, tu vois? Et c'est ce genre de question que peut répondre le Puy du Fou. Ouais, ils suivent tous exactement le parcours, là. Il passe sur le côté des deux meufs, là. La caméra fout la gerbe. D'accord, t'as pas vu, t'es pas essayé de contrôler un personnage avec. Hein. J'attends le DLC, ouais. Je sais pas s'il y a vraiment... Il rajoute des attractions régulièrement, puis du fou, comme chez Mickey, là, ou c'est un truc fixe. C'est vrai qu'on dirait qu'ils sont ensorcelés, hein. Ah, trop bien, bah, je voulais, je regarderai ça. Parc d'attraction qui tue. C'est pour un test en CPC? Non, c'est pour déguster sur place. On va pas pousser non plus, on a un nombre de pages limité. On va pas les encrasser avec ça. Un bon jouet dans l'univers arthurien, ça existe. Bonne question, un jeu qui serait directement inspiré de la légende d'Arthur. Et pas une référence, sinon t'as la moitié de la fantasy, mais une vraie, un jeu vraiment arthurien, je n'ai pas qui me vient comme ça. Merci Yuki. On voit Saint-Denis, ouais. Un jeu, il y a un jeu Les Visiteurs, je crois. Il n'y a pas assez de jeux Christian Clavier, de façon générale. Hein. Donc maintenant, commence vraiment à y avoir un Christian Clavier Cinematic Universe. Il faudrait vraiment un jeu, une sorte de jeu qui un peu comme ça, ou une sorte, avec un hub central qui serait la maison de Christian Clavier. C'est en Corse là qui s'est fait cramer par les nationalistes et les indépendantistes et on pourrait aller dans différents de ses films et redécouvrir toute l'histoire de son univers. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu le jeu narratif? Ben voilà. Ah. Oh, alors attention, ça va être quoi comme épreuve? Moi, je dis... Alors, attendez, là, ça va être de la joute. Ouais, c'est une gueule de joute, ça. On va faire de la joute à cheval. Allez. Tiens. Ah non, c'est des acrobaties à cheval. Ah oui, donc c'est ça, on est vraiment... Graduellement, on devient quand même un employé du parc. Hein. On a commencé en allant sauver le roi Arthur et tout. Et bientôt, il faudra ramasser les poubelles, quoi. En attendant, il nous faut recruter les meilleurs chevaliers pour rejoindre Jeanne de la Lorraine à Orléans. C'est pour cela que vous souhaitez voir nos cavaliers voltigeurs démontrer leur vaillance à cheval. Mais ça n'a aucun intérêt d'être cavalier voltigeur. C'est comme envoyer la patrouille de France au combat, quoi. C'est pas le même... Tu impressionnes les gens en faisant des trucs, wow. Et avec ce fragment de l'épée de légende, le plus brave des chevaliers saura vaincre les assaillants. Oui, le jeu sur les visiteurs, de mémoire, il n'était pas terrible. Il date des années 90, il est sorti pas très longtemps après le film, je crois. Et de mémoire, il était à chier. Alors, ah ben, je sais pas ce que je dois faire. Bon, il va falloir appuyer sur des touches, hein. Ah voilà, S qu'on l'a... Ah oui, d'accord. Oh, la tristesse. Ah ouais, ça par exemple c'est du QTE de chi, ça. Ouais. Ce serait quand même vachement plus impressionnant si c'était le cheval qui faisait les acrobaties. Hein. Attends, je vais faire un perfect. Ben, ah merde, pardon, excuse-moi. Ah, j'ai rien dit. Mais ça dure autant, aussi longtemps qu'on veut en fait. Parce que du coup, c'est assez facile. C'est un peu raide, quand même, tout ça. Il y a vraiment des cotillons qui sortent des fesses des gens, au Puy du Fou.
Ah bah ouais, j'ai appuyé trop tôt, ça va. Allez, le public est sans pitié, hein. Tu fais la moindre erreur, tu te fais huer. Ouais, c'est bouh. C'est super violent, quoi. La piste est super longue, ouais, mais ça c'est au Puy du Fou, je peux savoir, ils ont une piste, c'est un peu comme l'accélérateur de particules du CERN. Ils ont la plus grande piste du monde, donc les gens peuvent tourner pendant plusieurs jours. Tu as encore obtenu un fragment dont nous aurons besoin. Guillaume Canet, simulateur. Notre quête n'est pas encore arrivée à son terme, mais je sais assurément que je peux avoir confiance en toi. Mais il le dit à chaque fois. Allez, on va voir l'histoire à 422 mètres. Je sais pas si vous avez réalisé qu'on est en train de revisiter toute l'histoire de France. Je sais pas si... Vous réalisez, il a la beauté de ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Je suis un peu déçu, parce que c'est quand même pas très orienté. Je pense que ça allait vraiment être très très Puy du Fou. Mais en fait, non, pas trop. Moi, je m'attendais, je sais pas, à ce qu'on doive décliner des QTO, où tu dois déclamer du Joseph de Maistre, ou des trucs comme ça, tu vois. Mais en fait, non. Ça reste relativement soft. On n'a pas de bons jeux. Si, il y a un jeu contre-révolutionnaire, j'allais dire, c'est Vive le Roi. Mais je crois, à ma connaissance, c'est le seul jeu vidéo qui est vraiment ouvertement contre-révolutionnaire de l'histoire du jeu vidéo. La droite radicale française n'a pas produit beaucoup de jeux vidéo, contrairement à la droite américaine. Ouais, est-ce qu'il y aura un chapitre sur le génocide vendéen, hein, voilà. Après, c'est un jeu qui est destiné aux enfants. Donc c'est... je sais pas s'ils peuvent... je sais pas ce qu'ils peuvent se permettre de mettre à l'intérieur. En tout cas, on sait déjà que le créateur de personnage est ultra queer, donc c'est un bon point déjà pour le Puy du Fou. Par contre, la flèche dit n'importe quoi. Ces mecs sont complètement possédés. On dirait que c'est vraiment l'invasion des profanateurs, quoi. Si Bolloré avait réussi à racheter Ubisoft, et oui, derrière, on n'aurait que des jeux comme ça. Il n'y a pas grand-chose à changer dans Assassin's Creed pour en faire un Puy du Fou. Assassin's Creed, c'est un peu le Puy du Fou du jeu vidéo, quand même. Ah, je suis parti dans le mauvais sens. On va re-suivre la boule de feu. Mais oui, Moeva, ce serait bien, en fait, qu'on apprenne qu'en fait, c'est du Tolkien. Il devrait mettre un énorme œil de Sauron au milieu du Puy du Fou, ce serait super impressionnant. En plus, ils ont des volcans là-bas, non? Ah non, c'est Vulcania, je confonds tout. C'est Vulcania, ça fera un très bon jeu vidéo. J'aime bien aller à Vulcania un jour. Pourtant, ah, j'ai un achievement, j'ai couru 3 km. En l'espace de 30 minutes, on va dire. Ouais. Ah oui, ça fait complètement... Mais de toute façon, tu rajoutes du brouillard dans n'importe quel jeu, c'est... Test effet Silent Hill. Avec le fantôme de Giscard, mais ce serait tellement bien. Mais franchement, j'aime pas les parcs d'attractions, mais le seul autre dans lequel j'aimerais bien aller, c'est Vulcania. Parce que ça, c'est le principe de base est tellement absurde que ça me plaît beaucoup. Ah, on dirait un chien, en fait, la boule de feu. Quand elle a trouvé un truc, elle tourne autour en faisant... Après le vase de soissons brisé, je découvre qu'une part du butin a été volée par l'un des nôtres. Qui donc veut subir le sort de ma lame? Le sort de ma lame? Je reconnais cette voix légendaire. Viens, approchons prudemment de l'antre de ce grand chef de guerre. L'évêque Rémy attend que j'honore ma promesse de lui rendre ses biens. Et vous le volez comme de vulgaires barbares. Pourquoi il y a des têtes de vache derrière? Sais-tu que cette voix est celle... Ah, c'est Clovis. Le roi de France, le grand Clovis. Je vais tenter... Il paraît un peu propre, quand même. Je l'ai plus couvert de merde, mais après j'ai... Roi des Francs. Quel bien t'a-t-il... Le personnage s'entraîne pour le marathon des JO de Paris. Est-ce qu'il y aurait un jeu pour les JO de Paris, fait par Microïs, tellement adapté, où tu dois réussir à atteindre les épreuves en RER. A voler le trésor que j'ai promis d'offrir à mon ami l'évêque Rémy. Noble colère que la tienne, Clovis. Laisse-moi retrouver la trace du voleur, et je m'assurerai... Moi, en plus, je voyais pas du tout Clovis comme ça. Je voyais quelque chose beaucoup plus sale, déjà. Merci Nejbel. Un fin stratège et fidèle à ses engagements. Il est de notre devoir de l'aider à tenir sa promesse. C'est quoi son bâton lancé? On dirait une sorte de de lance en fait. Hein. Ce qui est bizarre, je pensais qu'il battait plutôt à l'épée. Après, je suis pas du tout. C'est pas ma période de l'histoire, donc s'il y a des historiens dans le chat. Ah, on a ramassé un gars, il y a un truc par terre là. Une plaque d'égout. Qu'est-ce que c'est? Ah, bah c'est. Attends, c'était ça la quête?
C'est la quête FedEx la plus courte de l'histoire. Tu sais tenir tes promesses. Le trésor est loin d'être entier. Trouve ce truc, je l'ai perdu. Il est là. Il est juste là, à tes pieds. De te remercier pour ton geste. Clovis se comprend. Merci, Wensubman. Il mérite que lui. Qui est un pseudo mensonger parce que tu as semé pendant 38 mois. Hâtons-nous de le retrouver. T'es allé au Puy du Fou en 96. Ah bah justement, voilà, on a enfin quelqu'un qui est allé au Puy du Fou. Ça ressemble à ça ? Les allées sont comme ça et tout ? Merci, je finis jamais rien. Ou je finis jamais ri. Ce Rémi dont vous parlez, il est dans la pièce avec nous. Alors l'espèce de mini-quête là. Ah mais non, ok, ça y est, j'ai compris. Donc il y a des compteurs en dessous de la tête du perso là. Donc en fait, ça c'est des collectibles à récupérer un peu partout dans le parc. Les pièces du trésor de Clovis et les bouquins de la Péruse là. Enfin le journal de bord de la Péruse. Oui, c'est vrai. En fait, on est la bitch de Clovis, quoi. Genre, non, je le ramasserai pas. Tu vas le ramasser. Vas-y, ramasse-le. Mais il est juste là. Ramasse-le. C'est vraiment une ordure, Clovis. C'est très similaire, c'est vrai. Bon, après, on remarque qu'ils avaient un boulot, les mecs qui ont fait le jeu, c'est faire un truc qui ressemble vaguement au Puy du Fou, donc... Maintenant, j'ai pu voir Clovis comme un mec qui jette un truc par terre et qui dit « Allez, vas-y, ramasse. » Ça donne pas du tout envie d'aller au Puy du Fou, non. Non, mais ça me donne envie d'aller à Vulcania, par contre. Oui, le... Théoriquement, c'est un peu des parcs d'attractions opposés, quoi. Parce que si on regarde, par exemple, simplement la position sur l'avortement entre Giscard et Villiers, c'est le grand écart, ça devrait être... Je pense qu'il faudrait qu'il y ait des guerres de parcs d'attractions. Les parcs d'attractions devraient s'affronter. Ils devraient envoyer leurs figurants. Voilà, plutôt que leur faire des cascades à cheval sur une piste en rond, là. Ils devraient faire des charges où ils attaqueraient l'autre parc. Et puis ce serait beaucoup plus marrant que des élections. Hein. On devrait décider le choix du président comme ça. Avec des grands combats de parcs d'attractions. Chaque parti aurait son parc. Et il enverrait ses figurants casser la gueule à ceux d'en face. Interville avec des parcs, exactement. Interparc. Après, le risque, c'est qu'on va se retrouver, surtout vu que le budget qu'ils ont, avec Mickey, président de la République. Mais c'est un risque à prendre. Ah, ça y est, la boule a trouvé un truc. Tu as jusqu'ici fait preuve d'une indéniable bravoure et ton habileté. C'est vrai que ça se trouve, c'est une psy-ops. C'est une psy-ops des autres parcs d'attractions pour dégoûter les gens du Puy du Fou. Mais quand la civilisation parvient à orienter la... Mickey se fait découper avec les mains, mais ça serait trop bien, ça. Le gentilhomme se fait rêteur autant... Un combat Mickey Astérix, ce serait... Oh, ça a déjà dû être dessiné, ça. Du langage aussi bien que celui des armes. Ah, c'est qui, cette fois-ci ? Allons donc voir celui qui fut le maître incontesté des beaux esprits. Le plus grand des écrivains français. Ça y est, ça va être tranché. Là, c'est un grand problème de la France, c'est qu'on n'a pas vraiment un Goethe. Les Allemands, ils ont Goethe, les Anglais, ils ont Shakespeare. Nous, on n'a pas un Goethe sur lequel tout le monde est d'accord. Ah, c'est Molière. Que me vaut l'honneur de cette visite opportune. Je suis venu vous voir. Ah non, c'est La Fontaine. Profitant de la lune, dont les larmes d'argent inspirent La Fontaine. Et qui voulez-vous donc que je mette à la peine ? Cet ami que voici, qui vient d'un autre monde. Et d'où provient cet être ? Victor Hugo, il n'est pas très Puy du Fou compatible. Je vais lui conter. Il est trop gaucho et républicain. S'il a de l'esprit, ou bien après, La Fontaine, il écrivait des trucs porno, donc... Maître de La Fontaine, vous ne regretterez pas d'avoir mis à l'épreuve cet esprit fort adroit. Oui, on parle de langue de Molière, ouais, mais c'est plus pour la langue que... Nous l'allons montrer tout à l'heure. Ok, donc j'ai parlé à La Fontaine, je vais où maintenant ? Lui aussi, il va me faire ramasser des trucs par terre. L'histoire de France par la soumission, quoi. Qui a dev ce jeu ? Ah, j'ai oublié le nom du studio. Ça a été édité par Microids. Et ça a été développé par un studio français qui a fait plein de trucs. Ils ont fait Fort Boyard, notamment. Ils ont fait Garfield Lasagna Party, qui a de très bonnes critiques sur Steam. Critiques très positives. Donc, si vous cherchez un jeu avec un chat et des lasagnes, je pense que vous ne pouvez pas vous tromper. Balio, c'est belge. Ah d'accord, ok, c'est belge. Bah écoute. Comme quoi la paternité avec Baldur's Gate, dont on parlait tout à l'heure, est évidente. Hein. Il y a aussi que c'est un... Bon, le côté petit côté de l'Ariane, ouais, complètement. C'est un peu un walking simulator. C'est un walking simulator entrecoupé de QTE. Donc, dit comme ça, c'est pas... La lionne et l'ours. Ah, ça, c'est quoi ? Ça va être une fable ? Mais non, c'est quoi ? Alors, attends, je suis un lapin, maintenant ?
Puis on a pas mal perdu d'enfants. Parce qu'il y a 100, on se prend enivrant. Attends. Ah, il y a un indice. Attends. Attends, afficher indice, c'est quoi ? Ça marche pas. Non, on va faire quelque chose avec le lapin. On va confirmer le lapin. Donc là, je suis suivi par un lapin qui laisse des traces de pied aussi. Non. Je comprends pas ce que je dois faire. Pourquoi ça ? Mais... Ah, d'accord, je suis allé trop loin. Pas aller trop vite parce que le lapin, il suit pas. On peut pas péter le lapin. Non. On ne peut pas péter le lapin. C'est un... Ah. Près du repère des enfants se trouve l'être le plus précieux de chaque parent. Mais qu'est-ce que c'est que ces indices pétés ? Mais qu'est-ce qui fait ce bruit ? C'est le lapin qui respire comme ça ? La caméra, elle contrôle tout. Près du repère des enfants... Alors, le repère des enfants... Alors, en fait, faut juste suivre la flèche, non ? Je suis en train de m'emmerder, essayer de comprendre le... C'est-à-dire que les gens sont enfermés dans un dôme. C'est comme le film Simpson, là. Quand ils sont tous dans un grand dôme en verre. Bon, attends, le lapin, il est à l'arrêt. C'est quoi le repère... Ah là, il y a quoi, là ? Le repère le plus précieux... Mais en fait, faut juste aller là. C'est encore un lapin. Ah, attends, peut-être amener... Bon, peut-être amener le lapin à l'autre lapin. Oui, le lapin qui fait... C'est vachement inquiétant, hein. Imagine, t'as un lapin chez toi, un petit lapin tout mignon, et là, il fait... Dès qu'il court, il fait un vieux bruit de gorge. Un truc qui est grand comme ça. Alors, le lapin, il est où ? Avec l'indice qui ne veut pas s'en aller ? Ah, parce que là, il ne reviendra pas. Là, par contre, si je l'enlève, il ne revient pas. Ah, si ! Près du repère des enfants se trouve l'être le plus précieux de chaque parent. Mais c'est incompréhensible. Alors, attends. Tiens. Où il est où, mon lapin ? Là, toi, va voir avant l'autre lapin. Voilà. J'ai combiné les lapins. En effet, un cerveau gracieux. Je n'ai rien compris. Je ne pas escalader les cieux. Accroche-toi. La fontaine est un esprit si fin. Merci tout grand. Parmi les êtres humains, un la flèche René Gachin n'aime pas trop s'emmerder, Jean de la Fontaine. Oui, c'est ça, Belten. Et il saura récompenser ta persévérance. Alors attends. OK. Je sais plus combien d'épreuves on a faites, je sais pas ce qui compte comme une épreuve ou comme une non-épreuve, je ne sais rien, Itchir, salut, merci. Merci pour ton abo. Bon, il reste encore 13 minutes, je sais pas si on aura le temps de finir. Qui a dit que, je crois que quelqu'un dans le chat avait dit sur How Long To Beat, il est marqué 2 heures. Ouais. Non, j'ai pas perdu un pari, c'est Fab Gordon qui était dans le chat tout à l'heure, qui y est peut-être encore, qui m'a fait découvrir ce jeu, je me suis dit, oh, faut qu'on le stream, et en plus j'en ai profité, il était en promo à 5 euros. Vous savez combien ça coûte 9 ? Enfin 9, prix normal, 15 balles. Donc heureusement que j'ai pas traîné pour l'acheter. Alors on fait des affaires pendant les soldes de Steam. Mais oui, ils auraient pu faire un truc en lien avec une fable de La Fontaine, mais le lapin et le lapin, c'est quoi ça ? Ça ressemble à rien. Ça serait bien des fables tautologiques, tu vois. Le corbeau et le corbeau. Mettre le corbeau sur un arbre perché, rencontrer un autre corbeau. Même 5 euros, c'est trop cher. Oh. C'est quand on a énormément d'argent disponible, on ne regarde pas la dépense. Puis pour 2 heures de plaisir, ouf. Et réapprendre toute l'histoire de France, et apprendre que La Fontaine est le plus grand écrivain français, ce qui a au moins permis de trancher un débat qui dure depuis des siècles. Merci de détails. Il manque une touche, enfin il manque beaucoup de choses dans ce jeu, mais notamment une touche sprint. Parce que, à part pour... galère autant que le lapin. Parce que, à part pour avoir des achievements, vous avez couru 3 km, là. Oui, je pense qu'ils ont vraiment repris toute la géographie du parc, en fait. Mais c'est adapté à une minute, c'est adapté à une journée de visite, c'est pas fait pour être traversé en courant d'un bout à l'autre. On fera un Ulule Canard PC pour acheter les jeux Puits du Fou. Ouais. J'aurais curieux de savoir combien ils en ont vendu, quand même. Je dis, il y a 40 personnes sur Twitch qui suivent ce jeu. Quand je l'ai tapé dans la base de données, là, pour avant de lancer le stream, il y a marqué 40 personnes suivent ce jeu, donc je pense que c'est quand même grosso modo des développeurs et des gens liés, parce que même quelqu'un qui y a joué, je n'imagine pas suivre ce jeu. Je ne...
Ah, les deux coqs. Ah non, c'est encore une fable. Je veux pas une fable, moi, je veux une épreuve. En plus, ça va être encore les deux coqs. C'est un coq rencontre un coq, machin. Ah, encore une pièce de Clovis. Tiens, monte, il se passe quoi si je ramasse la pièce? Elles sont énormes. Ah, c'est tout, d'accord. Il y avait que la première fois qu'on avait une cutscene. Ah, je crois qu'on est arrivé. Ça tourne, là. Non? Ouais, ça tourne. 15 mètres, 10 mètres. Ben, on y est. J'espère que vous êtes prêts. Une nouvelle épreuve. Hein? Ah non, c'est une sirène. Je croyais que c'était la Dame du Lac. Ton admirable quête pour retrouver les fragments de l'épée. Je n'ose croire que tu réussiras à libérer le roi prisonnier d'Avalon. Mais si tu parviens à rassembler tous les fragments d'Excalibur... Bah franchement, Théo, je m'attendais à pire. C'est-à-dire que bon, c'est inepte, hein, mais je m'attendais à un truc pété, quoi. Alors que, ben... Il y a même 2-3 QTE, tu te dis, ils se sont pas fait chier, ils n'avaient sûrement pas de budget ni de temps, mais il y avait un minimum de recherche d'idées, tu vois, le QTE où il faut regarder, il faut appuyer que quand le personnage te regarde, ou le truc de recharge de stamina dans la course de char, qui mine de rien marche pas si mal. Il y aurait presque moyen d'avoir... Oui, il neige que sur la dame, oui. C'est comme dans la, c'est la création de perso, il y avait des petites particules juste sur le monsieur. C'est pas si honteux, en fait. Current player, 0, 30 day average, 0. Ouais, bon, écoute. Mais je sais pas qui il vise avec ce jeu. C'est... Est-ce qu'il y a vraiment un marché? Je pense que le seul marché qu'il y a, c'est des gamins qui ont des parents très 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 conservateurs qui disent pas de jeux vidéo dans cette maison. Mais c'est le jeu du Puy du Fou de Monsieur Villiers. Bon, d'accord. Parce que à part ça, c'est comme les, je pense que les Bible Games jouent un peu ce rôle-là aussi aux États-Unis. Parce qu'à part ça, je vois pas l'intérêt de jouer à ce jeu-là, quoi. Les boutiques du parc. Oui, ils doivent le vendre à la sortie. J'ai mis très bien, j'ai mis tout le monde comme ça, Chino, tu sais. Je suis coincé dans le parc, je peux pas, je sais pas où je dois aller. Et il nous reste que 8 minutes. Boule de feu, guide-moi. Ah, c'est par là. 89 mètres, on passe, c'est vraiment un simulateur de marche. Non, je veux pas de fables de la fontaine. Elles sont nulles, tes fables. Il y a un jeu de société, puis du fou. Le marché des grands-parents qui cherchent un cadeau. Peut-être même... C'est plutôt les jeux copycat qui visent les grands-parents, du genre Super Mario. Ils se disent, on va en vendre un sur un inconvénient, quoi, sur un malentendu. Mais là, une épreuve. Alors, envoie le nombre de haches nécessaires dans le centre de la cible. Utilise les flèches pour viser ou choisir une hache. Appuie sur S pour sélectionner une hache. OK. Ou valider la visée. Appuie de manière alternée sur E et A afin d'augmenter ta puissance. Oh, il y a beaucoup de boutons là. Je sais pas si je vais y arriver. Viking, tes frères guerriers ont quitté ces lieux. Tu es à notre merci. Mais hey, il parle sans ouvrir la bouche. La miséricorde, je veux te laisser la vie sauve. Et si tu nous montres loyauté et bravoure. Ah non, il bouge les lèvres, j'ai rien dit. J'ai été mauvaise langue. La hache est une arme qui t'est familière, n'est-ce pas? Alors montre-moi ton habileté. Alors. Donc, je vais prendre une hache. Ben, prenons une petite hache, hein, tant qu'à faire, c'est un enfant après tout. Et les enfants doivent jouer avec des petites haches. Donc là, je vise. Ah oui, d'accord, ça bouge. Oh là là, ouh là là, Bruno. Allez, je valide. Alors, là, c'est bon. Ouais. J'ai rarement vu un système de visée aussi pété. On dirait, tu sais, il y a ça des fois sur Twitter, les haches moyennes. Tiens, allez. C'est des mecs qui font de l'UX, qui s'amusent à imaginer les UX les pires possibles. Donc ils font par exemple un truc avec un truc pour scroller, pour avoir sa date de naissance, et faut l'obtenir avec des multiplications, etc. Et ben c'est un peu ce genre de... C'est plus pareil, mais pour la visée, tu vois. De faire le pire système de visée dans un jeu vidéo, je pense que tu obtiendrais un truc pas loin de ça. Bam. Alors... Reprendre la petite... Attends, c'est quoi la grande hache? Il y a une grande hache aussi? Ah non, d'accord. Bon, c'est petite ou moyenne. Ok, bah, ça sera petite. Hein. C'est bien au milieu. Voilà.
Il y a presque du gameplay. Oui, il y a 80% de vieux sur les... En fait, ça donne envie d'aller au Puy du Fou, mais juste pour voir dans quelle mesure ça ressemble au jeu. Eh, hey, tiens, bam. Je vais pas être tué par les guerriers francs. Victoire. Ah. Et alors, l'achievement s'appelle Full-Time Lumberjack. Ils ont même pas traduit les achievements en français, quoi. Le Puy du Fou. C'est... Un fragment de plus qui nous sera utile pour la suite. Alors, je ne sais pas pourquoi, parce que qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a récupéré toute l'épée d'escalier du roi Arthur ? Tu montres une bravoure qui ferait pâlir certains chevaliers. Alors le maillot, il y a écrit 23 sur le maillot. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je pense que c'est une référence obscure. Un truc genre c'est le nombre d'enfants de Philippe de Villiers. J'ai eu un achievement, ouais, et j'en avais déjà eu un avant parce que j'ai couru 3 km dans le parc. C'est un jeu dédié à l'international, c'est clair, ouais. C'est un, je pense qu'il doit vraiment... Et là, il vise le marché mondial avec ça. D'ailleurs, tu parles du Puy... les Américains ne parlent que du Puy du Fou. Il y a deux choses à voir quand on vient en France, c'est la Tour Eiffel et le Puy du Fou. Hein. Distance parcourue de 190 mètres, ressenti 10 km, ouais, c'est un peu ça, ouais. J'ai tiré par le titre du jeu. Oui, alors déjà, le jeu s'appelle The Quest for Excalibur, Puits du Fou. Il ressemble à un truc écrit par quelqu'un qui est en train de faire une attaque. The Madman's Well, ça ferait un très bon... Alors, ça peut être une chanson des Beatles ou un film d'horreur. La colline du crack, évidemment, la colline du crack. Je me demande s'il y a une colline du crack au milieu du Puits du Fou. Toute ville devrait avoir une colline du crack quelque part. Alors, on est presque arrivé à l'épreuve suivante, mais je sais pas si on aura le temps de la faire, il est 57 déjà. Allez, confirmons. Ah, là je dois entrer. Ah, je suis l'entraînement des chevaliers. S pour attaquer, Q pour bloquer une attaque. Et les flèches pour orienter mon action. Très important d'orienter son action. Admirer vos talents de cavalière, mais il nous faut maintenant nous assurer de cavalière. Ah bah super, parce que j'ai les cheveux longs, genre en féminin. Sera votre adversaire dans l'épreuve qui vient. Soyez la meilleure et vous en serez comme à l'accoutumée récompensée. Alors, mais c'est un enfant, il tape sur un enfant, dirait François à la boxe. Alors, je vais attaquer. Ah, c'est une erreur. Donc j'aurais dû parer. Mais c'est dur. Je comprends pas ce que je dois faire. Attends, je vais vers la gauche et Q. Non, ça marche pas. Ah, ça y est, j'ai compris. Oh, le bruit. Ah, ça y est, j'ai pigé le truc. Ah, c'est... Franchement, les gens qui jouent à Street Fighter, on se demande pourquoi. Mais il remonte quand je... Merde, j'ai attaqué, j'ai paré au lieu d'attaquer. Merde, putain, c'est dur. Ah. Hein ? Ça donne pas envie d'aller au Puy du Fou. Dang. Ah, ah, je vais presque l'avoir. On dirait un jeu VR, mais pas en VR. Ok, bon bah écoutez, voilà, c'était The Quest for Excalibur, le plus du fou. Eh ben on aura fait la moitié des épreuves. Bon, eh ben écoutez, François Républicain, ouais. Oui, c'est un peu Kingdom Come, mais en version extrêmement simplifiée. Pour Philippe, pour la Vendée. C'est vrai qu'il crie des trucs comme ça, moi ce serait drôle, quoi. Bon, je vais vous laisser là-dessus, et je vous retrouve dans, on peut le dire, hein, 5 minutes, pour... Chut, tais-toi Merlin. On va passer Merlin pour même pas 5 minutes, dans 30 secondes, pour notre ami le Scroll News. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'actu, mais c'est de la vieille actu qui reste au fond du